Venez ici, chacun de vous. Merci. Je vous en prie, c'est vous qui avez mérité par votre poutrage extrême. Vous avez une espèce marine en rap. Rino. Marine tactique par 10, marine tactique par 5. Marine tactique, c'est bien. Ah, t'en as déjà trop. Il m'en manquait 10 pour finir les 100. Pour faire un chapitre. Parce qu'il vous faut un chapitre. Ensuite. Allez, ça y est, j'ai les 10 derniers. La sixième personne est un autre Zincheux. Ça tombe bien, on en a avec deux. C'est Monsieur Gizmo. Qui vous a offert par l'association Instant d'un rêve, l'association Kirox. un terme moderne, sacrifiant au langage de l'époque. Un bon d'achat à utiliser avant le mois d'août, je suis sûr que vous ne garderez pas très longtemps. Ensuite, nous avons un Roxor de la pire espèce, disciple des plus grands, Winnie. Il y a le choix. Tiens, je vais commencer à enfin limer. Oh, vous aimez limer, monsieur. Je commence. Vous appellerez la lime. Winnie la lime. Après Winnie, nous avons un autre Roxor très puissant. C'est Yaxim. C'était le roman où il y avait des états morts, mais vous pouvez l'emprunter à votre ami. Ici, vous avez un rhino. Allez, un rhino. Un rhino du matin, c'est le bon impôt toute la journée. À présent, nous avons l'incroyable représentant du 4e Reich cosmique et ses soucoupes volantes de la face cachée de la Lune, Rainmaker, et sa garde. J'aimerais bien mettre la vidéo sur YouTube, mais avec tous les termes qu'on sort, t'es pas sûr que ça passe en fait. Tu peux pas la mettre la vidéo sur YouTube ? Non, mais là j'enregistre en format YouTube à la fin de la vidéo, elle est ici. C'est laisse tomber, ça fait le café. Un autre scandaleux Bill, cette fois-ci l'adversaire régulier de ce monsieur, le représentant de la théocratie du Zoubloulande, j'ai nommé Eul. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte, c'est bon. Une sentinelle pour poutrer les salauds du 4e Reich, c'est bien. Vous êtes un agent civique. Ensuite, nous avons l'homme qui roulait littéralement sur les gens, Trim. Non, c'est bon. Vous roulez, monsieur. Vous avez droit à un cadeau. Ça peut même être ce remarquable bastion. Ça va être très bien, ça. Ce morceau de bastion qui vous permet de faire un quadritube gros flingue. Bonne tes idées, toi. Je vais faire un truc d'essai. Je crois que ça pourrait être parfait. Ensuite, nous avons l'unique représentant de la race byzantine, Toja. Thomas Mercier. C'est quoi du Dark? C'est Dark Angel, c'est les verts. Templar, ça c'est. Après Toja, nous avons White Gripper et ses Eldar. Votre choix. On manque toujours de gabarit. On a des objets trouvés. Si on manque des choses, vous viendrez voir. On a deux, trois objets trouvés. Ensuite, quelqu'un qui s'est fait connaître dans la presse spécialisée pour sa peinture il y a moult années, Thibald. Qu'il se promène dans la rue avec un imperméable à cause des crachats de la foule. Peter. En plus, il faut que tu rigoles, parce qu'il tremble, tu sais, sur la vidéo, ça se voit, quoi. Pourquoi j'en ai quand même pas ? Parce que vous n'êtes pas à la page. Il aurait pu bosser en boutique rouge, le petit. C'est ça, ouais. Tu peux faire les acheter de base, hein. Je vais chier tout le monde, Pascal, hein. Prends la balle à la chiotte. Non. Attention, tu sers.
C'est pour ça que c'est réservé à la fin. On peut lui balancer des crachats aussi. Ah oui. Nous sommes pas entre nous. Bon, tu rajoutes les feuilles. Allez, prends tes scouts de merde. Les grands scouts. T'as un nouvel aéro, tu pourras l'essayer. Voilà. Eh oui. Après Tibal, nous avons une autre personnalité, mais de l'autre moitié de l'Alsace, Aetis. La mauvaise moitié. Ce sont des Belges qui se sont perdus en allant au classement, c'est des carrières. Comment ils gâchent la vie? Oh là là. Non mais Tibal, dégage devant là. Filme parce qu'on en a en moyenne. Tu filmes. Après, nous avons Tebs. Tebs, c'est ses tyrannides. Oui. La personne qui a pris les Marines, Lady Marines, ça devrait être au décalco également. Faites un avion. Après quoi? Après Tebs, nous avons notre Dark Angel résident, Ezekiel. Il a plus de 3 minutes 44 là, on déconne. Hein. Siafas Kane. Oh, bravo. Ça prendrait. J'apprends à lire avec Siafas Kane. Après quoi? Un billet. Après Ezekiel, nous avons Racebone. Kevinor, qui à son tour vient pouvoir choisir un cadeau. Une bande dessinée. Oh. C'est la propagande. Mais non, c'est pour les toilettes. Ah oui, ça, ça aide à descendre. Nous avons ensuite. Ah, oh. Le plus grand des Roxors déchu après une campagne d'extermination sans pitié, Joseph Porta. Vous avez décliné sur votre temps. Déjà, il a eu le couloir génial. Déjà, il a pas son chapeau. Ah, celui-là. Non, l'autre. Non, c'est un piège, arrête. Ils ont des numéros. Non, c'est un piège. Oh, qui est manuscrit. Ah, oui. Bien, très bien. Il est manuscrit de la main de la vendeuse. Oh, oh. Il va le renifler toute la nuit. Trop fini avec son mari la semaine prochaine. Non, mais je le roi du salon, je viens d'acheter. Au local, Martin. Oh. Gros bille. Ils ont de la force, ils font normalement. Ah ouais. Il a été mieux classé. Bon, moi j'ai remarqué le score négatif qu'il a fait. Comment il a fait le score négatif? Ça va être sur YouTube, ce fist. C'est ce que vous dites. Alors, j'ai jamais mis les pieds. Gros bille résident. Lumière, tel le président nord-coréen, Rokoros. Gros Bill, il a fini aussi, non? Ah, il a une compo de malade, hein, et en peinture, ça joue beaucoup. Hein. Ouais, mais, même. Et, mais chaque partie, c'est pour un malus de ouf à cause d'un compo. Hein. Ouais, ça, ouais, tu le sens. Malgré ses performances de tous les malus qu'on lui a infligés parce qu'on ne l'aime pas, il faut dire qu'il mérite, Mara. Ouais. C'est pas la mienne. Et enfin, il joue pas avec ses armées. On l'a jamais vu la sienne. Ainsi que le bon d'achat correspondant. Il s'est reconnu. Salut. Dans le torse. J'ai même pas le plus mauvais score de la journée. Vous n'êtes même pas le plus mauvais en score. Ah non, ça c'est donc être le mérite qui a parlé. Le mérite de la mauvaise note de peinture et tout. Et néanmoins pas suffisante pour vous valoir la brosse. La brosse va revenir à une personne que je vais rappeler. C'est le jeune Kevin O'Neill, dit Kevinor, qui remporte. Quelle note?
20% du maximum.